Salam alaykoum, on est dans le Megillah Daf Chavzayin et on est à la troisième petite ligne du début de la page. Darash bar Kapara, Maï Dirtiv, que veut dire le Pasuk? Vaisrof et Bet Hashem, Nebuchadnezzar a brûlé Bet Hashem, et Bet Ameler, ça se comprend plus ou moins, Bet Hashem, Bet Amigdash, Bet Ameler, le palais, et Kol Bate Yerushalayim, ça se comprend ça aussi, tous les villes dans Jérusalem, et Bet Hashem, Bet Bet Ameler, Bet Kol Bat Yerushalayim, Bet Kol Bait Gadol Sarah. Et toute grande maison, il a brûlé. Il faut comprendre que c'est grande maison. Baesh. Bet Hashem, de quoi c'est Bet Amigdash. Bet Ameler, c'est quoi? Elou Platrin Shel Meler. C'est tous les palais du roi. Et Kol Bat Yerushalayim, Kede Mashmahan, il a brûlé toutes les maisons qu'il y avait dans Jérusalem. Bet Bet Gadol. Bet Kol Bet Gadol Sarah Baesh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une grande maison? Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua. Machloket ben Levi entre eux. Chada ma'a iladim mikom shem gadim botora. C'est-à-dire un bet amidrash. Bet gadol, c'est le bet amidrash. Chada ma'a makom shem gadim botfila. Il a voulu expliquer que c'est l'endroit où les gens ont l'habitude de prier dans le bet knessiot. Mande amar Torah. Celui qui est arrivé, celui qui a voulu dire Torah, ça veut dire demander des bet amidrash. Pourquoi? Parce que dire tif, Hashem chafet le matit quoi, dit Torah, il y a dire yagdil, gadol, Torah. Donc on voit une corrélation entre gadol et Torah. Mais à dire, donc quand il y a qu'on parle de Bate Midrash. On m'a dit à Marte Fila, pourquoi il dit que ça s'appelle Bait Gado cette Fila? Tirtiv Saprana, Agdolot Asher Asa Elisha. Yehoram, le roi de Yehoram, avait demandé à Gehazi, raconte-moi ce que ton maître, Elisha, les grands miracles qu'il a fait. En l'occurrence, surtout le miracle de la résurrection de l'enfant. Mais Elisha, d'Avde Berachame. Et Elisha, comment il a réussi à ressusciter l'enfant? On parle de Fila, Houdé Abad. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que Davar Gadol, c'est à Gedolot. Davar Gadol, on parle d'Avka de Bet Tefila, l'impossibilité d'être mitpalet, donc Bet Tefila. Tistayem de Rabbi Shua Benevi, Houdé Amar, Makom Shemegadim Botor. Déduit ou arrive à la conclusion que chez Rabbi Shua Benevi, que lui, pense que le Davar Gadol, Bait Gadol, s'appelle une Bet Amidrash. Pourquoi? D'Amar Rabbi Shua Benevi, Bet Akneset, Moutar la Soto, Bet Midrash. Puisqu'il lui part du principe que si Bet Akneset peut faire Bet Midrash, ça veut dire que le Bet Midrash, il est plus important que le Bet Knesset, parce qu'on a pris dans la Mishnah qu'on ne peut que monter dans la Kedusha, on ne peut pas descendre. Donc par conséquent, quand on veut dire quelque chose de grand, Minasta, on fait allusion au Bet Midrash. Donc c'est Rabbi Shua ben Levi qui a mis l'accent plutôt sur Makom, Limud, Torah. Et en vérité, un petit peu, c'est comme ça qu'on les considère aujourd'hui, hein, que le Bet Midrash, il est plus kadosh que le Bet Knesset. Maintenant, on continue. Aval Machut Torah, Loïkroubem, Sfarim. On a dit que si on a vendu un Sefer Torah, on ne peut pas acheter avec ça des livres. Kelim, Nevim, Ktuvim. Les autres parties du Tanakh, on ne peut pas les acheter. Ibayal ou Lagmar va poser un cas de figure. Mao Limkor Sefer Torah Yashan, Velikar Bochadash. Est-ce qu'on aura le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau? Le but, c'est pas sûr d'en acheter un nouveau, mais je vends un ancien pour ça. Pourquoi? Kevam Delo Maalele Asso. Puisque je ne monte pas de niveau, parce qu'en fait, un ancien Sefer Torah, un nouveau Sefer Torah, ils ont la même Kdusha. Alors, comme je ne monte pas de niveau Asso, alors je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de mettre au même, d'acheter quelque chose qui est au même prix. Il faut que j'aie quelque chose de plus valable, plus important. Et je ne peux pas de l'homme aller dans la soupe. Au Dilma, ou peut-être, qui va délicater à l'ouïe, puisqu'on ne peut pas monter plus haut. Le plus haut qu'on a, on a jusqu'à maintenant, c'est le Sefer Torah. Donc il n'y a pas une possibilité de monter plus haut. Donc, Achrina Shapir. Donc, Eloué Achrina, Shapir, non, donc acheter un autre qui est égal, ça veut dire un Sefer Torah Hadash avec l'argent de Sefer Torah, Shapir Dami, ça serait peut-être valable. Ça, c'est le safek que la Gemara demande. Qu'est-ce qu'on fait quand je vends un Sefer Torah pour acheter un Sefer Torah? Tashma, bien écoute. Aval Machrou, Torah, Loïkrou Sefarim. Dans la Mishnah, chez nous, il a marqué que si tu as vendu un Sefer Torah, tu ne veux pas acheter des Nevim Vektovim. Donc, Hu Delo, Sefarim Hu Delo. C'est-à-dire que tu ne veux pas acheter d'Afka Nevim Vektovim avec ça. Ah, Torah, Betorah, Shapir Dami. Ah, Mashma, que Torah, Betorah, tu peux pouvoir l'acheter. Réponse. La Mishnah, qu'a priori tu vas amener une preuve ici, qui semble être une bonne preuve, elle te parlera de Diavad, quand tu n'as pas d'autre choix et tu veux acheter un Sefer Torah Chadash, et tu en as besoin d'un Sefer Torah Chadash parce que le Yashan n'est plus utilisable. Alors on peut considérer que Kavichol Bediavad, tu as le droit. Mais nous, la question qu'on avait demandé, est-ce que le Chatrila, j'ai le droit de vendre un Sefer Torah Yashan pour acheter un Hadash ou pas? Et sur ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Tashma, bien écoute. Golelim Sefer Torah b'mitpachat chuma b'mitpachot. On a le droit d'entourer un Sefer Torah avec des draps, avec des mitpachot,
des foulards particuliers, Chumashim, pas Chumashim, avec les foulards avec quoi on fermait les livres. Chumashim, c'est les livres. Chumashim, bimitpachot nevim. Les Chumashim, on peut le faire avec des mitpachot, des foulards, avec quoi on fermait des nevim et ktubim. Avant le nevim ktubim, bimitpachot Chumashim. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas couvrir des nevim ktubim avec un mitpachot qui vient d'un Chumash, parce que le Chumash, c'est la Torah, le Chamisha Chumash, c'est la Torah, il est plus kadosh que nevim et ktubim. Donc automatiquement, on ne peut pas. Avec le Chumashim, mitpachot, c'est la Sefer Torah, et on ne peut pas protéger ou couvrir des Chumashim, donc des Chamisha Chumash Torah, avec une mitpacha de Sefer Torah. Cependant, dans cette même braïta qui est marquée, Golelim Sefer Torah, de mitpachot, Chumashim. On a le droit d'entourer, d'être Golel, le Sefer Torah, on mettait un tissu à l'intérieur, et pour cacher, ne pas toucher l'écriture, et en même temps pour absorber l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc, on est Golel, un Sefer Torah, de mitpachot, avec des tissus, avec des foulards, de Chumashim. Et donc, la Gemara veut faire une description comme ça, mitpachot, Chumashim in. Donc, on voit d'ici que Kaviachol, j'ai le droit d'utiliser un foulard de deuxième classe, moins important que le Sefer Torah, donc des foulards qui viennent des Chumashim. Mitpachot, Sefer Torah. Alors, machma que un foulard qui appartenait à un autre Sefer Torah ne peut pas être transféré à un autre Sefer Torah. Donc, si déjà les foulards, on ne peut pas les transférer, a priori, kol sheken, que la vente d'un Sefer Torah ne peut pas être valable pour acheter un autre Sefer Torah keneged. La Gemara dit, Emma Sefa, c'est ça ta preuve? Là, je t'amène la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lo chumashim et mitpachot sefer Torah. Et on ne peut pas couvrir des chumash, donc des chamisha chumash Torah, avec des foulards avec quoi on a couvert un sefer Torah avant. Ha, Torah batorah, shapir dami. Alors déduit de là-bas que d'afka Torah batorah, j'ai le droit. D'afka mitpachot de Torah chumashim, je peux pas. Mais mitpachot d'un sefer Torah, peut-être pas avec un autre sefer Torah? Shapir dami. Et la miha, l'ika, l'imishma mine. Et la même de cette mishma, on ne peut pas apprendre. Parce qu'on a deux façons, les deux déductions sont possibles. De la récha, je peux déduire qu'a priori, je ne peux pas transférer un foulard d'un sefer Torah à un autre sefer Torah, donc je n'ai pas le droit d'automatiquement de vendre un sefer Torah pour acheter un autre sefer Torah. De la sefa, je peux déduire que ce qu'on nous a interdit, c'est d'après d'utiliser un foulard d'un sefer Torah pour un chumash, mais un sefer Torah pour un sefer Torah, j'ai le droit d'utiliser le même foulard. Comme j'ai utilisé le même foulard, donc peut-être j'aurai le droit aussi d'utiliser le même argent. Et là, mais un mekalim mishwamine, d'ici on ne peut pas apprendre leur tashma. Bien écoute. Manichim sefer Torah le gabé Torah. Le Torah le gabé Chumashim. J'ai le droit de poser deux sefer Torah surpassés l'un sur l'autre. Ou Torah le gabé Chumashim. Je mets sefer Torah sur des Chumashim. Le Chumashim al gabé Nevi'im. Ve Ktubim. Sur les agiographes et les Nevi'im et les prophètes. Avalo Nevi'im Ktubim al gabé Chumashim. Mais l'inverse, on ne peut pas le faire. De mettre le Navi sur le Chumash. Ça, je ne peux pas le faire. Velo Chumashim al gabé Torah. Et bien entendu, le chumash non plus, je ne peux pas le déposer sur un sefer Torah. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que kaviyachol, il y a une certaine hiérarchie que je dois essayer de garder. Anacha ka'amarta, et je vois qu'au niveau de poser, je ne peux pas poser un chumash sur un sefer Torah. Machma que donc un sefer Torah sur un sefer Torah, on a le droit. Donc, si on a le droit, on aura le droit, donc automatiquement, puisqu'on dit manechim sefer Torah, le gabbe sefer Torah, on aura le droit peut-être aussi de vendre un sefer Torah pour acheter un autre. Sefer Torah, on est juste au milieu là. Alors, donc, Agmara répond, Anacha ka amarta, qu'est-ce que tu vas me poser? Tu vas me mettre une preuve du fait de poser, Shani Anacha, de l'Oefchar. Poser, c'est différent parce que je ne peux pas faire autrement. Dans l'armoire, c'est de la place que pour un seul Sefer Torah. Qu'est-ce que je fais avec le deuxième? Je suis obligé de poser sur le premier. Donc, on parle ici, par exemple, dans un cas de l'Oefchar. Et il était marqué, parce que si tu ne me dis pas qu'on parle dans un cas de Biavad, de l'Oefchar, et Chimichrach, de Chikar Chinan, comment on peut mettre dans une Bible et du Chumash et des Nevi'im et des Ktuvim? Quand tu vas tourner les pages, d'une certaine manière, des fois, les Nevi'im vont être posés sur le Chumash. Quand tu ouvres les Nevi'im, donc une partie des feuilles vont être posées sur le Chumash. Et là, Veha Kayativ Dapa Chavre. Voilà, pourtant, une page est posée sur l'autre. Et là, Kemadeloïb, Char Charé. Et là, tu es obligé de dire que quand j'ai des cas de figure, je ne peux pas faire autrement, c'est permis. Achanami, là aussi, tu dois dire la même chose. Kevadeloïb, charcharé, puisque ce n'est pas possible de faire autrement, c'est pour ça que c'est permis. Donc de là non plus, tu n'as pas eu de preuve particulière qu'on a le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah. Eh bien, on va voir une autre preuve peut-être. Tashma, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Mishur Rabbi Shimon Ben Gamliel,
L'homme que Rodam Sefer Torah Yashan, l'Ikarbo Khadash. Voilà, ici écrit mes fourrages. L'Hachem ne vend pas un Sefer Torah ancien pour acheter un nouveau. Voilà, tu as posé ta question. Tu as une réponse explicite, non? Réponse, non, attends. Mais Mshum Pshuta, qui Kamar, Kegon de Kativ ou Manach la Fou Kemai. Et là, il dit, non, tu n'as pas une preuve. Quand là-bas, on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah, on parle dans un cas de figure que le nouveau Sefer Torah n'existe pas encore. Il faut l'écrire. Donc si on va vendre le premier Sefer Torah, alors il risque de s'avérer qu'on n'aura ni l'un ni l'autre. Et si l'autre n'arrive pas à finir son Sefer Torah, ben, sauf il va s'avérer qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Par contre, Kikamrina, quand j'ai posé la question, moi, de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, dire Tiv Manach ou des Kativ ou Manach, qui s'en parle d'un Sefer Torah qui est déjà écrit, les Afrouk et Maï, c'est de le racheter qu'on pose la question. Est-ce que je peux vendre un ancien pour acheter un nouveau? Donc c'est sur ça que je pose la question, et pas sur le cas de figure que tu m'as ramené, où là-bas ça marque que le Sefer Torah Hadash n'existe pas encore. Tashma, d'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, en mochrim Sefer Torah. On ne peut vendre un Sefer Torah, donc une autre preuve qu'on essaie d'amener, on ne peut vendre un Sefer Torah, et là, l'immod bo Torah, uniquement pour apprendre la Torah, et l'issa bo isha, ou pour se marier avec une femme. Shma Amina, Torah be Torah, Shapir Dami. Donc ça voudrait dire qu'un Torah avec une autre Torah, un Sefer Torah avec un autre Sefer Torah, j'ai le droit. Puisqu'on vient nous dire que ce que je ne peux vendre un Sefer Torah, je ne peux le vendre que pour acheter, racheter des prisonniers. Ou pour étudier la Torah, excusez-moi, ou pour marier une fille. Machma que Torah par Torah, puisque, et pour apprendre, j'ai le droit de vendre un Sefer Torah. Et si j'ai le droit de vendre un Sefer Torah pour apprendre, donc j'aurai le droit aussi de le vendre pour en acheter un autre. Quelle différence entre le fait d'étudier ou le fait de l'acheter pour pouvoir étudier? Donc, Shapir Dami. La Gemara demande non. Dilma Shani Talmud. Shatalmud Mibeli Demaase. Ça, c'est différent. Quand je te dis que tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour étudier, parce que tout le but de l'étude, c'est pour pouvoir pratiquer après. Et comme c'est pour pouvoir pratiquer, donc toute la Torah, elle est là pour te permettre à pratiquer. Donc à ce moment-là, tu pourras vendre même un Sefer Torah pour pouvoir finir ta soirée étudier. Par contre, l'idée massée, et par contre chez nous, ce n'est pas l'idée massée, c'est tout simplement remplacer un Sefer Torah par un autre. Ishanami. Mais pourquoi on a le droit de vendre un Sefer Torah pour se marier avec une femme? Parce qu'on a mis l'otehu bera la chevet et tzara. Parce qu'il y a marqué mes fourrages que le monde n'a pas été créé, l'otehu, le monde n'a pas été créé pour être tohu vabohu. Et là, la chevet et tzara, le monde a été créé pour être construit, pour être habité. Alors, le Torah avait Torah, l'eau. Mais peut-être qu'acheter un Torah pour acheter un autre Sefer Torah, non. Deux cas de figure qu'on peut, parce que l'étude de la Torah, shalmenat, la sot, donc c'est normal qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour ça. Deuxième possibilité, pourquoi je vends un Sefer Torah pour acheter un mari avec une femme? Parce que de toute manière, le monde n'a pas été créé pour rester désert. Donc c'est un peu normal que je puisse dépenser tout ce que j'ai pour pouvoir acheter une femme, me marier avec une femme. Donc de preuve ici, on n'a pas. Tanu Rabbanan. Alors on a mis une autre braïta. Lohim kor adam Sefer Torah. Un homme ne vendra pas un Sefer Torah. Afal pi sheno tzarich lo, même si on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que j'ai un Sefer Torah supplémentaire à la maison. J'en ai rien à faire. Et de toute manière, dans la synagogue, il y en a. Alors, tu sais quoi, autant le vendre. Alors, il dit non, ça, on n'a pas le droit. Alken, Yeter Alken, en plus de ça, Amar Rabbi Shimon Gamliel, Afilo en Omar Yochal, même s'il n'a pas de quoi manger, ou Macharbo Sefer Torah, Obito, où il a vendu un Sefer Torah, où il a vendu sa fille en tant qu'esclave, pour pouvoir manger, et Noroé Siman Bracha Leolam. Sur ce qu'il a fait, il ne verra jamais Siman Bracha. Ça veut dire que la vente du Sefer Torah ne va servir à rien. Parce que tu ne pourras rien gagner dans l'affaire, c'est pas de l'argent que tu vas vraiment profiter. Et celui qui a vendu sa fille pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, qu'il sache que cet argent, il va la dilapider, le perdre et l'utiliser pour autre chose. C'est-à-dire que ça n'a aucune utilité. Donc, à plus forte raison que ça n'a aucune utilité, ce qui voudrait sous-entendre qu'on ne pourra pas vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, même si l'autre Sefer Torah est déjà écrit. Et bien entendu, on a déjà vu auparavant dans le bio qu'on a fait. C'est d'Afka l'Echatrila, Valbedi Avad, Mashma, que si tu as vendu, la vente elle est valable. Après, on avait dit, Vechen de Motrehem. Motrehem, c'est tout le superflu qu'il y a, le plus qu'il y a dans la Rechaba. Amar Abalo, Shana, Elashem, Machrou, Votiru. Tout ce qu'on a dit là maintenant, qu'on ne peut pas descendre, on ne peut que monter. Et quand on veut monter, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. C'est d'Afka, Ogavou, ils ont ramassé de l'argent, Votiru, il en reste. On a ramassé de l'argent pour, par exemple, pour acheter un Sefer Torah. 150 000 shekels, sauf qu'on a dépensé 110 000 shekels. Qu'est-ce qu'on fait avec les 40 000 shekels? Au tirou moutar, les 40 000 shekels, tu as le droit de l'utiliser pour ce que tu veux. L'abdafka pour d'avoir ce bigdoucha plus grand. À partir du moment où tu as ramassé plus que la normale,
Le reste, il devient pas efker, mais il devient dans la doucha la plus petite. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les autres mitzvot que tu veux avec. Et Tiv et la Gemara a posé une question. Et Tiv et Abaye, bah, mais dans la Morim, dans quel cas on dit que, à ce moment-là, si tu es au Tirou, tu as le droit d'en faire ce que tu veux, et ce qui est exactement la somme que tu as besoin, tu ne peux utiliser que pour ça. Amarba, mais dans la Morim, chez l'Oit, nous, pas dans un cas où on n'a pas mis de conditions quand on a ramassé l'argent. Ah, bah, l'Oit, nous. Maintenant, si on a mis une condition de pouvoir ramasser l'argent, à filer les dorsosia, même pour dorsosia, c'est permis. Qu'est-ce que c'est dorsosia? L'agmar va expliquer dans 2 minutes. Mais même pour dorsosia, c'est permis. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai fait une condition, que s'il me reste de l'argent, de la collecte que j'ai fait, que je puisse utiliser pour n'importe quoi, les tzorech mitzvah, mais n'importe quoi, même moins important que la raison de la collecte que j'ai fait, alors à ce moment-là, inachenami, c'est valable. J'ai le droit de le faire. Maintenant, moutard. Echidami, dans quel cas on parle? Ilima, chez Macho, va au tirou. Si on parle dans un cas qu'ils ont vendu et qu'il reste encore de l'argent, qui est nous, Mayave, et que le fait d'avoir fait une condition, qui est nous, Mayave, le fait d'avoir fait une condition, qu'est-ce que ça change? Parce que de toute manière, la Kdusha, elle est la même. Le Sefer Torah était là, il valait 120 000 shekels. D'accord? Je l'ai vendu, et maintenant je l'ai vendu à 130 000 shekels. Il a fait moi, j'ai fait 10 000 shekels de bénéfice. Oui, mais ça ne change rien, parce que ça veut dire que si j'ai vendu à 130 000, c'est que sa valeur, elle peut valoir 130 000. Donc, Milechatrila, la Kdusha qu'il y avait dans le Sefer Torah, il est parti sur l'argent en question. Comme il est parti sur l'argent en question, donc je ne peux pas me permettre, à ce moment-là, de prendre, d'en faire ce que je veux. Ça, c'est un cas spécial. Ce n'est pas de ce cas-là qu'on parle. Et là, on parle que quoi? Chez Gavu Votiru. Et là, il faut dire qu'on a ramassé de l'argent avant d'acheter le Sefer Torah, et il en reste. Tama dit nous. Et donc, pourquoi j'ai le droit d'utiliser l'argent pour autre chose? Parce que j'ai fait un tnaï. Halo it nous. Si j'ai pas fait de tnaï, non. J'ai pas le droit d'utiliser l'argent pour autre chose. Donc, a priori, on a ici on peut peut-être dire l'inverse de ce qu'on a vu dans Vamina. Que quand il reste de l'argent de la collecte, elle doit rester toujours pour la même raison pour qu'on a collecté l'argent. La Gemara dit l'olam shemachro votiro. Tu sais quoi? Non. On peut dire qu'ils ont vendu un Sefer Torah, il en est resté, le cas de figure qu'on a dit avant. Et c'est comme ça que la Gemara a voulu dire. Bah, mais d'un vrai mamourim, dans lequel cas je peux faire avec l'argent ce que je veux. Je ne peux pas faire avec l'argent ce que je veux, excuse-moi. Je ne peux pas faire avec l'argent ce que je veux. C'est-à-dire les notables de la ville, les maires de la ville. Et Ancheahir, ça veut dire que ça s'est fait, ça s'est fait en public. On parle dans un cas où l'Ancheya, donc la mairie, n'a pas fait de tnaï en public. Donc les gens ne savent pas exactement où est parti l'argent. Alors dans un cas pareil, s'il reste de l'argent, je ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Aval itnu shiva tove ha'ir be ma'amad Ancheya'ir. Mais si la vente, elle s'est fait, la vente d'un Sefer Torah, elle s'est fait en public, c'est-à-dire elle s'est fait devant tout le monde. Et ils ont fait un tnaï be ma'amad Ancheya'ir, et ils ont fait le tnaï. Donc, un filou, les dorsosia, n'a mis moutard. Même pour dorsosia, ça devrait prendre le reste de l'argent et l'utiliser, moutard. Maintenant, on est dans la première grande ligne. Hein. Maintenant, la Gemara veut savoir, c'est quoi dorsosia? Amar le Abaye, donc, pour être mesakem, que lorsque quelque chose est vendu en public par les notables de la ville, de sorte qu'ils disent, mais fourrache, que l'argent qu'on va vendre à ces ventes, on a des chiffres de Torah supplémentaires. On va les vendre, et avec l'argent, on voudrait en faire ce qu'on veut. Quand le fait de l'avoir dit ça en public, ça nous permet même de transformer cet argent en dorsosia. Pour dorsosia. C'est quoi dorsosia? On va voir dans 2 minutes. Amar le Abaye et la Oum Rabbanan. Rabban, il a demandé au Chachamim d'avoir Mesader Matnita Kamed de Rav Sheshet, qui a rangé les Mishnayot devant Rav Sheshet. Donc c'est plus le chamage de Rav Sheshet. Misham Yalechami Rav Sheshet, Maï dorsosia. Est-ce qu'une fois tu as entendu au nom de Rav Sheshet, que veut dire le terme dorsosia? Amar le Achir Amar Rav Sheshet. Oui, comme ça il a expliqué une fois Rav Sheshet. Paracha de Mata, le portier ou le coureur de la ville. C'est quoi le coureur de la ville? C'est qu'il faut que, dans une ville qui est Khashuva, il faut qu'il y ait un portier. Il faut qu'il n'y ait pas un portier, il faut qu'il y ait une personne à qui on peut lui donner des lettres à envoyer rapidement d'un endroit à l'autre. Donc c'est un travail qui est pas un travail de particulier, mais un travail qui est nécessaire pour les besoins de la ville. Et lui, ça s'appelle dorsosia. Ça veut dire qu'avec le surplus d'un Sefer Torah qu'on a vendu, on a le droit d'utiliser pour payer le dorsosia en question. Parachat des matins. Amar Abaye déduit d'ici quelque chose de façon générale. Ilkar,
Haïtsouma Mirabanan, un Talmid Chacham de Shama, Milta, Velo Yada Pirusha, qu'il avait une fois entendu un enseignement et il ne savait pas comment l'interpréter. Le Shaile Kame de Shachiach, qu'il a qu'à poser la question à ceux qui sont proches Kame de Rabanan, de Shachiach Kame de Rabanan, qui sont proches de ceux de Rabanan. De Lo Efchar de Lo Shamale, Minga Waraba, c'est pas possible qu'il n'ait pas entendu de quelqu'un de Chachou. Ça veut dire que des fois, les Shamashim, ceux qui accompagnent le Rav tout le temps, ils peuvent savoir beaucoup de choses que nous ne savons pas, parce qu'ils entendent le Rav dans leurs différentes situations, les différents cas de figure, ce qui fait qu'ils ont l'occasion de voir des cas qui sont rares. Par conséquent, si tu as une question et que tu as un enseignement et que tu n'arrives pas à le comprendre, pose la question à ceux qui sont mes Shamashim et Talmidei Chachamim. Amar Rabbi Yeshua, Mishum Rabbi Meir, Bnei Ha'ir Shalchu Le'ir Acheret. Maintenant, si on a des gens d'une ville qui sont partis dans une autre ville, ou Pasqua Alem Tzedaka, et quand ils sont arrivés, ils ont fait une collecte. Pas les gens de la ville, de l'autre ville. Dans la ville même où ils sont arrivés, ils étaient en train de faire une collecte. Et donc, ils ont été impliqués dans la collecte. Donc, ils ont déposé de l'argent eux aussi. Encore, chacun a déposé 1000 dollars. Donc, Pasqua Alem Tzedaka, Notnim, et ils ont donné, ou Keshem Bain, et lorsque Kaviyachol y repart, ils peuvent prendre cet argent-là qu'ils ont donné avec eux. C'est-à-dire que cet argent n'appartient pas à la ville. Et avec ça, ils donneront à manger aux pauvres de la ville. Bien que la collecte s'est faite dans une autre ville, pour des raisons d'une autre ville. Mais comme ils n'habitent pas dans l'autre ville, alors à ce moment-là, ils doivent donner. La Zidaka, ils doivent pas s'abstenir de donner. Mais l'argent doit rester dans une cagnotte que elle va être dépensée dans la ville d'où ils viennent. Ça, c'est la première DA. Tanya Namiachi, il y a une logique, enfin une braïta qui dit, qui va dans ce sens-là. Tanya Namiachi, Bnei Ha'ir Shalchu Le'ir Acheret, les gens de Tel Yerushalayim sont arrivés à Tel Aviv, ou Pascou Alem Tzaka, et les notables de Tel Aviv leur ont demandé de cotiser eux aussi dans les projets de la ville. Donc ils ont été obligés d'aller Magabet Tzedaka. Parce qu'à l'Emstaka, notre Nîm, ils doivent donner. Ils ne peuvent pas dire non, nous on est d'une autre ville, on n'est pas tour de donner. Mais que chez Mbaïm, mais Vim, Otaïmaïm, et quand Kaviyachol, ils décident de rentrer chez eux, ils reprennent avec eux la cagnotte qu'ils ont ramassée. Ou Mbaïm, Otaïmaïm. Viyachid, Shalach, Liyachet. Mais lorsqu'on a affaire à un individu, ce n'est pas un petit groupe, hein, un individu qui va dans une autre ville, ou parce qu'à là, on lui a demandé de participer à une collecte, parce qu'à la ville de Dakar, à ce moment-là, quand il veut partir, la tzedaka qu'il a donnée, il ne peut pas la prendre avec lui pour le donner au responsable de sa ville à lui. Il est obligé de les laisser dans la ville où il a été accueilli. D'accord ? De là, il y en a qui veulent déduire que la notion qu'un tzibour n'est pas mitbatel. Puisqu'on voit que quand c'est le tzorech rabim, alors à ce moment-là, la collecte, enfin, tout ce qui a été collecté, ça reste au tzibour, d'où ils viennent. Alors qu'un yachid, qu'est-ce que ça s'appelle un yachid quand c'est moins que 10, quand c'est 9 personnes, eux ils sont considérés comme batel dans la ville où ils sont maintenant. Et s'ils ont donné de la tzedaka, cette tzedaka est pour la ville et pas pour les pauvres de leur ville. Et je répète, yachid c'est jusqu'à 10 personnes. Donc yachid shalach li'ir acheret, ou pasqu'a alav tzedaka, tinaten lani ota ha'ir. Ravuna gazar tanita, une fois Ravuna il a été gozar tanit, Al legabe Rav Chana. Et à ce moment-là, il y avait chez lui Rav Chana bar Chigla. Et kol bnei Matia, ramu alayu lo tzedaka. Et tous les gens de bnei Matia, les gens de la ville, ramu alayu tzedaka, ils ont mis la tzedaka sur son nom. Viyavu, lui ont donné. Kiba ou le mite, quand il a voulu partir, amar le nudvalan mar venizol, que redonne-moi la tzedaka que j'ai ramassée pour que je puisse partir. Et que je vais pouvoir donner ça de ceux que j'ai ramassés dans ta ville pendant que vous avez fait une collecte. Pas moi qui ai fait la collecte dans la ville, c'est vous qui avez fait une collecte. Et puis quand je suis rentré, j'ai participé à la collecte, j'ai pu aider à ramasser de l'argent. Donc que je prenne cet argent-là avec moi pour nourrir les pauvres de ma ville. Amarle, il lui a répondu, Ravashi, il a dit non. Amarle. Mais il y a déjà une braïta mufourechette sur ça. Dans quel cas j'ai le droit de reprendre mon argent pour les pauvres de ma ville? Dans quel cas de figure? Mais des cas chaver ir, qu'il y a un tamir chacham dans la ville. Ça, c'est la première condition, qu'il y a un tamir chacham dans la ville. Aval, yesh, sham,
Chaver Ir, excuse-moi, le langage c'est de Loave Chaver Ir. Le premier langage il est comme ça. Beshe'en Sham Chaver Ir. Dans quel cas tu as le droit de reprendre avec toi l'argent quand dans la ville où ils ont fait la collecte, il n'y a pas un Talmid Chacham là-bas. Aval Yesham Ir Chaver Ir, mais si dans la ville où ils ont fait la collecte, que dont tu étais présent pendant qu'ils ont fait la collecte, il y a un Talmid Chacham là-bas, Ir Tinaten le Chaver Ir. Il faut le donner d'Afka ou Talmid Chacham de la ville, tu ne peux pas le prendre avec toi pour ta ville à toi. Mais Kol Sheken, et il lui a répondu Ravashi pourquoi. Parce que de toute manière, les pauvres de ta ville à toi et les pauvres de ma ville sont somprimes, se basent sur moi pour leur distribuer l'Azdaka. Comme ils se basent sur moi pour leur distribuer l'Azdaka, même pour les animes de ta ville à toi, c'est pour cela que laisse l'argent ici. Ce que tu as pu m'aider à ramasser, à collecter, kolakavod, baruch haba, merci beaucoup, mais te donner la possibilité de les prendre pour ta ville, ça on ne peut pas. Parce que de toute manière, même tes pauvres à toi sont nourris avec ma tzedaka à moi. Par conséquent, Bessikoum, quand on fait une collecte, si cette collecte s'est faite avec Bitnai, devant le Sheva Tove Haïr, devant le Tzibour, le reste de la collecte peut être utilisé pour ce qu'on veut. Mais si par contre, c'est une collecte qui s'est faite par des Yechidim, alors que l'argent qu'ils ont ramassé doit rester dans la ville en question. Mishnah. Un mochrim et chel rabim le yachid. On ne peut pas vendre une synagogue qui appartenait à un public, le vendre à un particulier. Parce que, a priori, pour l'instant, tel qu'on comprend les choses, ça diminue de la gdusha de la bêta knesset. Livré rabbi meir. Amroulo le chachamim imken aflo meir gedola le yer ketana. Si c'est comme ça, on n'a pas le droit de vendre non plus une synagogue d'une grande ville pour le construire dans une petite ville. Or, si l'animal demande la question, c'est qu'a priori, ça c'est quelque chose qu'on aurait a priori le droit de le faire. Mais, d'après toi, Rabbi Yehuda, où tu me dis que justement, on ne peut pas vendre, du Rabbi Maken, Rabbi Meir, donc on ne peut pas vendre une bête à Knesset d'un rabbim à un yachid, à une particulière, on ne peut pas le vendre. Donc ça voudrait dire non plus que d'une grande ville à une petite ville, on ne peut pas le faire. Amroulo imken, afle lomir gdola liyaktana. Comme ça, ça sort de la svarato rabimir, ce qui n'est pas vrai. D'après Chachamim, qu'on peut vendre une synagogue d'une grande ville pour une petite ville. Alors la Gemara dit, Shapir ta'amar le rabbana le rabimir, le chaora. La question que Rabbanan a dit à rabimir, c'est une bonne question, ça veut dire qu'ils ont raison. Pourquoi on ne pourrait pas vendre d'une grande synagogue à une petite synagogue, si le besoin se présente? Et si on peut le faire, donc on peut vendre aussi d'une synagogue à un particulier, pourquoi pas? Donc, Shapir Kamar le Rabbanan le Rabbi Meir. Le Rabbi Meir, Meir, Gedola, Lir, Ketana, Meikara, Kadisha, Ashtana, Meikadisha. Et en plus de ça, même pour Rabbi Meir, d'une grande ville à une petite ville, où il y a le problème de vendre une synagogue, parce que de toute manière, au départ, elle est Kadosh, et après, elle continue à être Kadosh. Qu'est-ce que ça change si la synagogue, elle appartient à une petite ville, ou si la synagogue, elle appartient à une grande ville? Dans les deux cas de figure, il y a une Gdusha, dans la synagogue, qui est la même Kedusha. On n'a pas vu que la Gdusha elle change par rapport proportionnellement au nombre de participants dans la synagogue. Donc, la Gemara dit Rabbi Meir, Meir Gdola, Lir Ketana, Mikara Kadisha, Vashtana, Mikadisha. Dans les deux cas, c'est toujours Kadosh. Réponse Mirabim, le Yachid, Lika Gdusha. Quand je passe d'un Bet Knesset à un Rabim, un Bet Knesset à un Yachid, il n'y a pas de Gdusha. Parce que n'oublions pas, Yachid, ça veut dire jusqu'à moins de 10 personnes. Jusqu'à 9 personnes. Hein, ça s'appelle Yachid. Lika Gdusha. Des Rabbanan, alors s'il n'y a pas, de Gdusha, alors pourquoi Rabbanan qu'en permettent de vendre une synagogue à un particulier? Ika le Michash qui a Igavna, Nami Ika le Michash, Meshum Berov Ramadat Melech. Il dit parce que si c'est ça que Kavichol te recherche, que tu dis qu'il n'y a pas de Gdusha, ça veut dire que c'est un problème de vendre ici à un particulier parce qu'il n'y a pas de Gdusha. Alors je vais te dire la même chose si c'est comme ça. Si j'ai une synagogue où il y a 5000 personnes qui prient là-bas. Et cette synagogue, on veut le vendre à un public qui a 1000 personnes. Alors tu vas me dire aussi que c'est assaut. Pourquoi c'est assaut? Parce que la synagogue de 5000 personnes, de Rav Ramadat Melech. Et plus il y a du monde, plus il y a de la Kedusha, il y a un Kedush Hashem. Alors plus il y a du monde, plus il y a un Kedush Hashem, ça voudrait dire que je n'aurais pas le droit de le faire. Or, ça s'appelle toujours Bet Knesset Gadol, Bet Knesset Gadol. Et ça, c'est quand même moutard. C'est pour cela que
ta svara à toi de le faire devant, toi, Rabbi Meir, d'interdire de vendre une synagogue publique à un particulier, on n'est pas d'accord. Matnitin. Maintenant, on va au niveau de la Mishnah. En mochrim bet haKnesset, ela al tnai. Si tu veux vendre une synagogue, tu dois le vendre à condition toujours. Shimirtsu yachzeru. Que si tu veux, je peux la racheter à tout instant. Divrei Rabbi Meir, ça c'est la parole de Rabbi Meir. Vechachayim omrim, par contre, Rabbi Meir te dit, mochrim oto mimkar olam. Non, si tu vends, tu vends pour toujours. Il n'y a pas tu vends à condition que. Tu vends, gamarnou. Chutz me arba'a devarim. Par contre, quand tu vends, l'acheteur n'aura pas le droit de faire une des quatre choses, qui sont les merchats, il n'aura pas le droit d'en faire là-bas un hammam, les boursaki, en faire une tannerie là-bas, veletvila, en faire là-bas un mikvé, ou les bet hamaim, et en faire là-bas aussi un endroit pour laver le linge. Tout ça, on n'a pas le droit de le faire. Rabbi Yehuda Omer, mochim ota leshem chatzer, on le vend pour que ça soit comme un chatzer, j'ai le droit de le vendre dans un cadre que c'est comme un chatzer, va lokeach ma shirtze yaaseh, je lui vends dans un cadre de chatzer, ça c'est la chumra de Rabbi Yehuda qu'il faut le vendre en tant que chatzer, et la kula de Rabbi Yehuda c'est qu'après qu'il a acheté en tant que chatzer, il peut l'acheteur en faire ce qu'il veut. La chakach yaaseh ma shirtze. Donc d'un côté il est machmir, parce qu'il me permet une synagogue de le vendre que dans un cadre de chatzer sans tenaille, que c'est la seule possibilité de vente. Et d'un autre côté, après que l'autre il a acheté, alors il peut en faire ce qu'il veut. Là, il est Rabbi Yehuda, il est Mekel sur Rabbi Meir. Gmara. Le Rabbi Meir, Echida Yereba. Dans Rabbi Meir, comment, si tu as le droit de le vendre une synagogue à quelqu'un d'autre, en faisant un tenaille, comment il peut habiter à l'intérieur? Ha, havé les ribites, puisque c'est ribite. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Je vends la synagogue à un particulier. Et j'ai un an, par exemple, pour la racheter. J'ai fait un tenaille que je peux la racheter quand je sens le besoin, je peux pouvoir la racheter. Maintenant, le problème, c'est que pendant toute cette période-là, j'habitais dans la synagogue. Je crois que bien racheter l'appartement, on vient me la racheter. J'habitais dans la synagogue. Si j'habitais dans la synagogue, donc c'est un peu ribite. Pourquoi c'est ribite? Parce que moi, quand je vais te rendre l'argent, je vais te rendre l'argent que tu m'as donné. Mais je ne vais pas te rendre l'argent plus la location que j'ai fait jusqu'au moment où tu as décidé de racheter la synagogue. Donc, d'une certaine manière, tout instant où je suis là-bas, ça s'appelle ribite. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, Meshitat Rabbi Yehuda Amara. Rabbi Meir, il va d'après la Shita de Rabbi Yehuda, qui l'a dit quoi? De Amar, Tzad Echad Beribit, Mutar. Que si le ribite, il est que sur un côté, c'est permis. C'est quoi un côté? Je vais expliquer tout de suite. Imaginons maintenant, comme on va voir dans le cas, pour que ça soit clair, donc je l'explique d'abord oralement. Imaginons que je te fais un prêt. D'accord? Et en contrepartie du prêt, je te dis, voilà, tu as le champ en gage. Maintenant, si je ne te rembourse pas le prêt, tu prends le champ. Le champ, il sera pour toi. Par contre, je te dis aussi que pendant ce temps-là, tu as le droit de manger des fruits du champ. Maintenant, si tu as le droit de manger des fruits du champ, si maintenant je te rends l'argent, je vais te rendre l'argent, donc je vais reprendre mon champ. Mais d'un autre côté, moi, j'ai profité aussi des fruits qu'il y avait dans le champ. Donc c'est peut-être ribite. Dit non, c'est ribite betsad echad. Pourquoi c'est betsad echad? Parce que si je ne rembourse pas l'argent, il s'avère le mafréa que le terrain était vendu au prêteur. Comme le mafréa, ça s'avère que le terrain était vendu au prêteur, donc ce n'est un cas de ribite, rien que dans le cas où je rembourse l'argent. Mais dans le cas où je ne rembourse pas l'argent, ce n'est pas ribite, parce qu'en fin de compte, ça lui revient le mafréa, depuis le début, ça lui revient le terrain. Donc ça s'appelle ribit mitzad echad. C'est quoi mitzad echad? Que dans un cas de figure. Le cas de figure, c'est où je te rends l'argent. Mais le cas de figure où je ne te rends pas l'argent, c'est pas ribit. Et un ribit mitzad echad, moutard, d'après Rabbi Meir, au nom de Rabbi Yehuda. Détania, comme c'est marqué, areshaya nosé bechavero mané. Si je te devais 100 shekels, et bien ça alors, ça déou mecher. Et je t'ai donné le terrain comme vente, comme vendu, dans le cas où je ne te rembourse pas l'argent. Bisman chez mocher ochel perot, tout le temps où le vendeur mange des fruits, moutar lokeach, il a le droit de le reprendre. Och moutar, c'est permis. Lokeach ochel perot, assur. Mais si c'est l'acheteur, lokeach, qui mange des fruits, ça c'est assur. Ça c'est Tanakama. C'est que Tanakama, il dit même ribit betzad echad, ça c'est assur. Si le vendeur ochel perot, donc ça veut dire moi qui t'ai donné le terrain en tant que gage pour remboursement du prêt que je t'ai pris,
Moi, j'ai le droit de continuer à manger de mon terrain que je t'ai donné, j'ai le droit de continuer à manger. Par contre, toi, le locataire, tu n'as pas le droit d'après ta nakama. Par contre, d'après Rabbi Houda, affilu locataire, ochel perod. Même l'acheteur, il a le droit de manger. Moi, le vendeur, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de manger. Mais même l'acheteur, il a le droit de manger de ces fruits-là. Pourquoi? Hein? Parce que ça s'appelle be tzadecha, ça s'appelle ribit de tzadecha. Donc voilà le Rabbi Houda qui te dit que tu as le droit de faire ribit be tzadecha. Ribit tzadecha, je répète, que si je rembourse pas l'argent, alors c'est une vente, et donc il n'y a pas ribit. Et si je rembourse l'argent, alors effectivement, c'est comme un prêt, mais c'est un prêt avec un ribit qui ne s'appelle pas un ribit parce que c'est 5 000 tzadecha. Amar Rabbi Houda. En plus de ça, Rabbi Houda, il amène un cas. Maaseh bebaitos ben zonan. C'est le nom d'une personne, Chassa Sadeh ou Mecher, qu'il a fait justement ce cas de figure-là, où il a emprunté de l'argent et son terrain, il lui a donné en tant que remboursement au cas où il ne rembourse pas le prêt. Alpi Rabbi Lazar ben Azaria, et au nom de Rabbi Lazar ben Azaria, Velokeach, Ochel, Perot. Et là-bas, c'était l'acheteur qui avait mangé des fruits. Haya, Ochel Perot, Haya. Amroulo, il lui a dit, non, le rendit Chachamim, Misham, Rehaya, c'est là-bas qu'il y a une preuve. Mocher ocher perot aya. Non, tu t'es trompé. C'était un cas de mocher ocher perot. Ce n'est pas l'acheteur, celui qui va, que si on ne rembourse pas, il garde le terrain, qui a mangé les fruits. Non, c'est celui qui a vendu qui a mangé les fruits. Donc, tu n'es pas médaillé dans l'histoire que tu m'as ramenée. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux cas de figure? Tsad echad biribit, ikal Benayou. Justement. La différence, elle est quand il y a un seul côté de ribit. Mar savar tzad echad beribit mutar. Un, il pense, donc ça veut dire Rabbi Yehuda, que tzad echad beribit c'est permis. Au mor savar, Chachamim pense que tzad echad beribit asur. Comme ça, la Gemara a voulu expliquer l'histoire de Rabbi Yehuda et de Chachamim. Amar Rava, Amar de kule alma tzad echad beribit asur. Tu sais, je peux te dire que tzad echad beribit, d'après tout le monde, c'est asur. Même d'après Rabbi Yehuda, c'est asur. Ici, c'est un cas spécial. Est-ce que ribit almenat, ça s'appelle ribit ou ça s'appelle pas ribit? C'est-à-dire que je mange, si maintenant tu ne me rembourses pas, je prends le terrain, donc ce que j'ai mangé, j'ai mangé. Et si maintenant tu me rends l'argent, je te rembourse les fruits que kabiachol, j'ai profité. Donc, ribit almenat l'erzir. Mort, ça va, ribit almenat l'erzir, mouta. Je te paye ribit maintenant, dans le but que tu me le rendes après. Il y en a qui disent c'est moutard, au mort savar, assou. Et un, il pense que ribit almenat l'arzir, ça veut dire que je te rends 110 shekels, dans le but que tu me rends 10 shekels après. Ça c'est, un, il dit c'est assou, et un, il dit c'est moutard. Jusqu'à là, la sugya, première partie de la sugya. Maintenant, on continue. Chachamim omri, mochim oto mim karola. Quand on vend un bet à Knesset, on peut le vendre éternellement, mim karola. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mutar le Adam le Ashtin Maim Betor Arba Amot, Shel Tefila. Si j'ai prié dans un endroit, dans une rue, dans l'endroit à côté où j'ai prié, dans les Arba Amot, de l'endroit où j'ai prié, j'ai le droit de faire mes petits besoins. Amar Rabbi Yosef, Maika Mashmala, Tanina, qu'est-ce que tu m'as appris? Je suis une Mishnah Mefureshet. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda Omer, Mochinota le Shum Chatzer, que j'ai le droit de vendre une Beta Knesset en tant que Chatzer, Velokeach, Mashir Tseyase. Et celui qui a acheté en tant que chatzer, après de cela, il peut en faire ce qu'il veut. Et même Rabbanan, quand ils t'ont interdit de vendre une synagogue pour en faire des toilettes, Kamre Ela, Beta Knesset, des caviers, Kdushate. Kamre Ela, Beta Knesset, dans une Beta Knesset, que je n'ai pas le droit de le vendre pour en faire après d'autres choses, qui sont bizayon, c'est dans une Beta Knesset qui est Kavua Kdushate, que sa Kdusha, elle est fixe. C'est quoi ça que Kedusha Lefik? Ça veut dire que c'est une synagogue de longue date. Aval, Arba Amot. Mais quand je fais mes besoins dans une rue, les Arba Amot que je suis en train de salir, là, l'endroit où j'ai sali, Aval, Arba Amot, de l'Okavia Kedusha Taï. Ou là, que la Kedusha n'est pas sainte et l'endroit n'est pas saint. Quand j'ai, dans les rues, quand je me prends un petit coin pour faire la tfila, j'ai pas sanctifié l'endroit où j'ai prié. Donc, Bevadai, que dans un endroit comme ça, ce n'est pas sain. Donc, si ce n'est pas sain, donc il n'y a rien à mieux, je peux uriner à côté. Il n'y a pas de kdoucha particulière quand on fait un minyan comme ça dans la rue. C'est pour ça que c'est important de prier d'après en synagogue, parce que ma soirée dans la synagogue, il y a une kdoucha kfoua là-bas, une kdoucha qui est fixe. Naftamina, des fois pour Motsé Shabbat, les gens ils préfèrent prier près du quartier en bas, c'est plus facile pour eux que d'aller à la synagogue. Et Mashma dit ici que non, au contraire, dans la rue il n'y a pas de kdoucha, alors que dans la synagogue, quand il y a une kdoucha.
Tanit Tanikama de Rab Nachman. C'est ancien le Rab Nachman. Amit Palel, celui qui prie. Machik Arba Amot ou Mashtin. Après que tu as prié, tu as besoin d'aller aux toilettes. Éloigne-toi 4 Amot de l'endroit où tu as prié et fais tes petits besoins. De Mashtin, Machik Dalet Amot ou Mit Palel. Ou, si quelqu'un il a uriné dans la rue, il s'éloigne 4 Amot de l'endroit où il a uriné et après, il va pouvoir prier. 4 Amot plus loin. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'a priori, il faut faire attention à l'endroit où j'ai prié. Amar le bishlama mashtin marchik. Bishlama. Donc, je reprends ici au niveau de Rav Nachman. Tane kame de Rav Nachman. Il palais, celui qui prie, marchik arba amot ou mashtin. Il doit s'éloigner arba amot de l'endroit où il a prié. Après, il peut uriner. Ou en mashtin, quelqu'un qui a uriné. Marchik arba amot, il doit s'éloigner arba amot. Et après qu'il s'est dans les arba amot où il a uriné, il peut être mit palais. Amar le bishlama mashtin marchik. Dalet amot. Que celui qui a uriné, il doit s'éloigner arba amot ou mit palel tanina, c'est une mishnah mefureshet. Kama yachik mehem, on a appris ça aussi dans Brachot. Kama yachik mehem ou minatsoa, combien je dois m'éloigner de l'urine ou des excréments, dalet amot. Que je dois m'éloigner arba amot. Donc ça, c'est déjà une mishnah mefureshet. Que de l'endroit où j'ai uriné, je dois m'éloigner arba amot pour pouvoir prier. Ela mit palel machik arba amot ou mashtin l'amali. Mais celui qui a prié, après qu'il a prié, il veut uriner, il voudra s'éloigner arba amot de l'endroit où il a prié. Pourquoi? Pourquoi? Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de gdoucha dans la rue. Alors pourquoi il a besoin de s'éloigner arba amot? L'amali, yachi, kadishinu le kol shvide de Nardea. Donc si c'est comme ça, toutes les petites ruelles de Nardea sont gdouchim. Parce qu'il y a chaque fois eu d'avant des minyanim où les gens se sont mis à prier. Alors ce n'est pas un endroit qui est kavua. Et pourtant, les gens avaient l'habitude de prier dans les rues. Alors c'est pas possible de comprendre cette Mishnah-là qui dit que si j'ai prié dans un endroit, je dois m'éloigner arba amot. Tané, non. C'est pas que tu dois t'éloigner arba amot de l'endroit où tu as prié et après tu peux uriner. Non, tu peux uriner dans l'endroit où tu as prié. Parce qu'il n'y a pas de kdoucha après que tu as prié. Et là, tané, yash'e. Attends arba, un espace-temps de arba amot avant d'uriner. Alors, bishlama yashtin yash'e. Kede ilocha arba amot mishumit sotsot. Que quelqu'un, après qu'il a fini d'uriner, il attend arba amot avant de prier. Je comprends pourquoi passer encore des petites gouttelettes qui sortent. Et il faut être sûr que tout est sorti avant de pouvoir prier. Et ça prend encore le temps de arba amot. Arba amot, c'est mamash, shalom alech arabi, c'est de quoi de marcher une seconde et demie, pour laisser que toutes les gouttelettes tombent. Et là, mit palel yash'e kede iluch arba amot, la male. Et là, quelqu'un qui a prié et qu'après il veut uriner, il doit attendre arba amot. Mais pourquoi? Dès qu'il a fini de prier, s'il a besoin d'uriner, il n'a qu'à uriner. À la male, à maravashi, non. Une seconde et demie, le temps que tu marches à arba amot, la tfila est encore dans ta bouche. Et comme elle est encore dans ta bouche, puisque tu es habitué, tes lèvres sont encore en train de bouger. Par conséquent, ce n'est pas mechoubad que tu es en train de palel et tu vas uriner tout de suite. C'est pour ça qu'on t'a dit, attends arba amot avant de pouvoir uriner. Mais ce n'est pas que je n'ai pas le droit d'uriner dans l'endroit où j'ai prié. De nouveau, l'endroit où j'ai prié dans la rue, elle n'est pas à kadosh. J'ai le droit de faire mes besoins, si j'ai besoin après, là-bas, il n'y a pas de problème. La seule question, elle est, c'est qu'après la fila, si j'ai besoin d'uriner, j'attends le temps de arba amot, ou si maintenant je viens d'uriner, j'attends de quoi marcher arba amot avant de commencer ma fila. Pourquoi? Ou à cause des nitsotsot, ou à cause du fait que mes lèvres continuent à parler. Zalfan Siman. C'est quoi Zalfan Siman? Zain Lamed Pe Nun, qu'on va développer là maintenant. Shalou Talmida avec Rabbi Zakai. Zain, c'est Zakai, hein? Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui on parle ici. Bema erachta yamim, qu'est-ce qui t'a permis, Baruch Hashem, de vivre si longtemps? Amarlem yamai lo ishtanti maim betoch arba amot shel tefila. J'ai jamais uriné dans les arba amot où j'ai prié. Ça veut dire que ce qu'on a le droit de faire à pi halacha, lui il était mahmir, mais il se disait c'est pas possible, je peux pas me permettre à uriner dans un endroit où j'ai fait ma tefila avant. Donc betoch arba amot shel tefila. Velo kiniti shem lechaverai. J'ai jamais donné un surnom à mon ami. Et le gros, et le Jinji, jamais rajouté un surnom. Que les surnoms, bien entendu, qui sont de Khiva, que tout le monde accepte ou apprécie. Comme par exemple, Eli, chez les Tunisiens, ils avaient l'habitude de dire Lalo tout le temps. C'était un surnom comme ça, Lalo, que tout le monde était communément accepté. Velo Bitalti Kiddush Ayom. Et j'ai jamais raté le Kaviyachol, le Kiddush, le Shabbat. Tout le temps, j'ai pu faire le Kiddush avec du vin. Avec du vin, d'accord, ok? J'avais une mère qui était âgée. Pas machat, une fois, j'avais pas de vin pour faire le kiddush. Qu'est-ce qu'elle a fait? Machat kippa chez Berosha. Elle est partie vendre le foulard qui était sous le foulard. Kippa, il mettait une double foulard.
Donc le foulard qui était sur le foulard, qui était la kippa, elle a vendu, vivia les kiddush ayom, et elle m'a permis de faire kiddush. Mais que chez Meta, et quand elle est niftera, inicha lo, elle lui a laissé, shalosh meod garbe yaim, 300 fûts de vin. À cause de beaucoup, elle a récompensé que Blaï Naral est devenu riche. Après, elle pouvait laisser à son fils 300 fûts de vin. Ou que chez Meta, et lorsque lui il est mort, et niach le banav, shloshet à la fin garbe yaim, multiplié, elle lui a laissé 300 multiplié par 10, d'accord? 300, 3000 garbe yaim. Tu vois qu'en cas beaucoup, bah, sauf il a récompensé. Ravuna a sa Rita. Une fois Ravuna, il a attaché sa ceinture avec une ficelle. Mais quand Kamederav, il est venu devant Rav. Pourquoi avec une ficelle? Parce que Ravuna n'avait pas les moyens. Et Ravuna, c'était quelqu'un qui était un nain, comme on va voir tout de suite. Il n'avait pas les moyens. Amale Maihai, Makara, que tu es avec une ceinture comme ça de ficelle. Où est ta ceinture? Amale Loavali, Kidusha. Je n'avais pas de quoi pouvoir faire le Kidush, le Shabbat. Ou Mashkante, j'ai donné ma ceinture en gage, les ramener, et un tabé qui doucha, et avec ça j'ai pu acheter, il y a un prêteur, une personne, et après avec ça j'ai pu, Kaviachol, acheter du vin pour faire le kidouche. Ah, oh, Rav, il a vu qu'il a fait un tel messirut nefesh pour le kidouche. Il lui a dit, Amar le yéra ava, yéra tzol, chetitom bisherai, que tu seras rempli, enfin couvert de plein d'habits. Que tu aies une bracha d'être couvert de plein d'habits. Kirkichla Rabba Bere de Ravuna, lorsque le rabbin, le fils de Ravuna, c'était venu son mariage, il devait le marier, et Ravuna, il était un nain, il était petit. Gana Apuria, il dormait Kabiachot sur le lit. Atian Bente, Bekalate, sont venus ses filles et ses calottes, et ils ne sont pas aperçus que le père et le beau-père étaient en train de dormir sur le lit parce que c'est un nain, il était un peu comme ça couvert. Et comme une femme, avant qu'elle s'habille, il faut qu'elle sorte tout ce qu'elle a dans l'armoire. Donc, elles ont sorti leurs habits et les ont posés sur le lit. Sorti, non, je vais porter ça, non, je vais porter ça. Puis après, ils ont posé sur le lit. De sorte que, Adiitum Bishiresh, qu'il a été entièrement couvert d'habits. Et ça veut dire qu'Aviachol, la bracha de Rav, elle s'est réalisée. Tu seras recouvert d'habits, ça a été recouvert d'habits. Même qu'il ne peut pas vraiment profiter de ça, mais en tout cas, la bracha, elle s'est réalisée. Shamarav. Rav, il a entendu l'histoire, Ikpad. Ça lui a fait mal au cœur. Il a été makpid. Pourquoi? Amar Mai, Ta'ama, Lo Amar Tali, Ki Berarticha, Vechalemar. Pourquoi au moment où je t'ai fait la bracha, tu n'as pas dit Vechalemar, et pour toi aussi? Puisque quand je t'ai fait la bracha, c'était Shat Ratson, puisque je vois que ça s'est réalisé sur toi, tu aurais dû dire automatiquement Vechalemar, toi aussi. C'est pour ça que c'est très important que lorsque vous montez un Sefer Torah, ou n'importe qui vous sommes Mevarech Otraem, toujours de dire Vechalemar, ou Mais varech mipi elyon, ça veut dire que la bracha revient chez toi. La bracha que tu me donnes, je me varech, on fera qu'elle revienne chez toi aussi. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un chat ratson, et que le celui qui a été mevarech on fera qu'il en profite aussi. Pourquoi pas? De là, on apprend de Rav que c'est bien très important de dire vechen lemar par la suite. Shalom talmidim et Rabbi Eliezer ben Shamoa, ils ont demandé une fois Rabbi ben Shamoa, bema erach tayamim. Qu'est-ce qui t'a permis de vivre si longtemps? Amar le miyamai lo asiti kampadriya bebet haknesset. J'ai jamais étudié la synagogue pour un raccourci. Comme à l'époque ils étudiaient par terre où ils étaient assis, j'ai jamais marché au-dessus d'un autre juif, jamais chevauché enjambé au-dessus d'un autre juif. C'est pour ça qu'il y en a qui sont makpidim aussi, de ne jamais enjamber un enfant, parce qu'un enfant c'est aussi kadosh, am kadosh, donc je ne vais pas enjamber un enfant, c'est l'homatim de marcher au-dessus d'un enfant. Des fois c'est compliqué quand tous les enfants sont par terre et ils bloquent le passage, et tu peux les enjamber. Alors que l'extat caché, ici on voit qu'il n'a jamais été makpid de passer au-dessus de l'âme kadosh. Velo nasati kapai, velo bracha, j'ai jamais fait comme yachol birkat kohanim sans faire la bracha avant. Bochatech kemechaj genoutav et chivano, j'adosh el aaron. J'ai toujours jamais raté la bracha. Shalou talmida vet rabbi perida. Dema erach tayamim, qu'est-ce qui t'a permis de vivre si longtemps? Amarlem, yamai lo kidmani adam le betamidrash. Toujours j'étais le premier au betamidrash. Le premier dans le Zoom, le premier à la Beta Knesset, à la Tfila. Jamais Kabiachol, je ne suis jamais arrivé en deuxième position. Velo birachti lifne Kohen. J'ai toujours laissé le kavod à un Kohen de faire la bracha. Velo achalti mi behema shelormu metnoter. Et je me suis permis de Kabiachol de manger de la viande que lorsque je sais qu'on a déjà donné le chayim bekeva au Kohanim. Les matnot keuna. On a d'abord donné le matnot keuna, rien qu'après je me suis permis à manger cette viande-là.
D'amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Asur lechol mi behema, shelo urmu matnotea. On n'a pas le droit de manger d'un animal dont on n'a pas pris encore les matnot keuna. D'amar Rabbi Yitzhak, kol haochel mi behema, shelo urmu matnotea. Tous ceux qui mangent de la viande d'un animal dont on n'a pas donné les chayim, zoro avec Eva au Kohen, kilu haochel tevali. Comme s'ils mangeaient des légumes, des fruits qu'on n'a pas pris trumot ou masrot. Velit il cheta kevate. Et bien entendu, Kabiachol, et c'est la lacha, n'est pas comme ça. Et là, j'ai le droit de manger même de la viande, même si on n'a pas encore donné le droit à la chaim bekeva au Kohanim, ce qui est le cas aujourd'hui en tout cas. Quand on mange de la viande, et pourtant on ne donne pas le droit à la chaim bekeva au Kohen, parce que la lacha n'est pas comme ça. Lo birarti lifne Kohen, et je n'ai pas fait de bracha devant un Kohen. Les mémras devaient me dire, des maliutahi, tu veux me dire que Kabiachol, c'est quelque chose de chashuv ce qu'il a fait? C'est qu'il n'a jamais été mévarech avant un Kohen. Ve'amar Rabbi Yochanan, kol tamid chacham shemevarech lefanav, afilu Kohen gadol amares, oto tamid chacham chayav mita. Tout tamid chacham, même si un Kohen, afilu devant un Kohen gadol qui est amares, tamid chacham qui prend la place d'un Kohen gadol qui est amares et qui se fait servir en premier, chayav mita, shenemar ve'kol mesan ayahavu mavet. Et tous ceux qui me détestent ont avu mavet, ont préféré la mort. Altikre mesan ay et la masni ay qui m'ont fait détester. Kikamar iou bechavian. Non, quand il a parlé là-bas, c'est lorsqu'ils étaient égaux. Là, on parle de mesan ay. Ça veut dire que kaviachol, on parle de personnes qui ont une certaine égalité entre le talmid chacham et le kohen en question. Dafka de mesan ay. Et là, d'offens qui sont chavim bechokma, dans ce cas-là, le Talmid Chacham il a droit de devancer le Kohen. S'ils sont égaux bechokma, le Talmid Chacham a droit de devancer le Kohen.